L'économie circulaire, ce n'est pas le recyclage. Mais le recyclage doit être circulaire. C'est fondamental. Et dans cet objet-là, en tant qu'acteur dans le monde du commerce, nous continuons bien entendu à étudier toutes les possibilités de réduire nos packaging, de trouver des solutions alternatives à ceux qui sont les moins bons. Mais reconnaissons ici que le plastique a son rôle. En tant qu'hygiéniste, je peux vous le confirmer. Et il est fondamental de pouvoir continuer de l'envisager dans l'ensemble de notre circuit alimentaire, pour autant qu'il soit parfaitement recyclable, traçable, et ce, d'un niveau qualitatif impeccable. De fait, nous avons besoin de cela pour après pouvoir le réutiliser dans le circuit alimentaire. Et donc, ce qui est en train de se faire aujourd'hui en Belgique est vraiment exemplaire au niveau européen. Non seulement continuer le circuit pour qu'il entre dans l'économie circulaire, mais aussi qu'il puisse être garant de cette vertu de qualité, de traçabilité, c'est fondamental. Et le faire en Belgique, encore plus important, nous avons entendu et vu qu'il était question de pouvoir le développer encore de façon beaucoup plus intense. Et de l'autre côté, je voudrais conclure en disant que ce projet repose finalement sur une chaîne de différents partenariats, que ce soit nous-mêmes, les acteurs du marché avec le monde de l'industrie alimentaire, que ce soit ceux qui viennent récupérer les emballages, que ce soit ceux qui les trient, que ce soit ceux qui les recyclent, mais que ce soit aussi le monde de la communication pour le faire savoir et connaître aux citoyens, ou le monde politique et, last but not least, le monde des autorités publiques, reste une chaîne fondamentale dans laquelle il faut que tous les maillons fonctionnent avec la même ambition et la même volonté d'aller de l'avant. La hauteur des investissements mérite la durabilité du projet. Et là, on a besoin de tout le monde. N'oublions pas, last but not least, le citoyen. Et celui-là, nous tenons tout particulièrement à le remercier pour les efforts qu'il fait à domicile, car tout commence par là. C'est effectivement le tri à domicile, sachant par après que Fosse Plus, grâce à son équipe super compétente, offre un service extraordinaire. On vient chez vous, à la maison, chercher vos déchets d'emballage. Et ça, je crois que ça vaut tout l'or du monde et ça permet aussi aux citoyens de prendre conscience de l'utilité du recyclage. Un dernier message, ne le jetez jamais dans la nature, ce qui peut être recyclé.